project Marion de Frene is a very interesting one because it involves the complete vessel. It's, let's say, a complete renewal of the Marion de Frene. From engine, mechanical, till painting, steelwork. It's involving, let's say, the complete process of almost building a new vessel. On a une remise en état complète de la coque à faire sur ce navire. Donc l'ensemble des surfaces extérieures du navire, si bien le fond, les murailles, que le topside seront sablés complètement. Et on y appliquera les nouvelles couches de pâture et un nouvel anti-fouling. La quantité de sable utilisée, à peu près 400 tonnes d'abrasif, donc quand même un gros volume. Et après, au niveau des applications des produits de pâture, on va tourner aux alentours de 8 tonnes de pâture. Donc ce bateau sera entièrement décapé et repartira avec 8 tonnes de pâture supplémentaires sur sa coque. Moderniser un bon nombre d'appareils, que ce soit sur la propulsion, sur la partie électrique et la partie supervision, comme ces écrans et l'ensemble de l'automatisme. Et l'un des plus grands apports qui a été voulu par les affréteurs, c'est de passer le navire au gasoil. Et donc en termes de coûts et de maintenance, et au niveau écologique, on va gagner énormément. Le Marion de Frene a eu 20 ans en 2015, puisqu'il avait été lancé en 1995. Il avait besoin d'une jouvence en termes de plateforme, c'est-à-dire coque et machine, mais aussi scientifique, appareils et équipements scientifiques. Pour la partie scientifique de la jouvence, le chantier nous a permis d'installer une gondole sous la coque qui accueille tous les équipements scientifiques acoustiques sous-marins, des appareaux de pont avec un portique et des treuils, et puis tout ce qui est locaux scientifiques. Donc la gondole servira pour recevoir les sondeurs qui seront installés sous la coque, donc les sondeurs multifaisceaux, le sondeur de sédiments, sondeur de pêche et aussi des courantomètres de coque. Elle va être fixée, donc on dit pointée dans un premier temps, juste pour vérifier que les emplacements sont bons et qu'on a bien les bonnes cotes partout. Et ensuite, elle sera soudée définitivement après que le géomètre ait fait ses premières mesures sur la planéité et l'angle de fixation de la gondole. Thank you.
not only that Damen is involved in inland vessel or sea and going vessel. They are just able to build from a super yacht till military vessel and even this scientific Marion Dufresne.